On n'a pas tous les jours 40 ans, il y a même parfois des anniversaires qui durent un petit peu, c'est le cas de celui de la Golf GTI. Volkswagen n'en finit pas de le célébrer, après la GTI 220 chevaux, après la GTI Performance de 230 chevaux, voici venue la GTI Club Sport, forte de 265 chevaux, voire même 290 chevaux grâce à sa fonction Overboost. Nous sommes ici sur le circuit de Pau-Arnos, un magnifique tracé de 3 km particulièrement exigeant, voire parfois piégeux, idéal pour tester le degré de sportivité que Volkswagen a bien voulu mettre dans sa version Club Sport et voir si elle mérite bien son nom. Pour personnaliser cette série limitée à 200 exemplaires pour la France, Volkswagen a retouché l'aérodynamique avec un bouclier aux entrées d'air striées pour plus de refroidissement des freins ainsi qu'un gros aileron bien intégré. On remarque ici les jantes de 19 pouces noires spécifiques au pack Racing. Dans l'habitacle, on reste dans une ambiance typique du groupe Volkswagen, particulièrement sobre donc, avec une ergonomie néanmoins très soignée, une position de conduite impeccable, ce qui est d'autant plus important sur un modèle aussi sportif que celui-là. Le volant tombe parfaitement bien en main, il est très agréable grâce à son Alcantara, petite touche sympathique, son point milieu rouge, touche de rouge qu'on retrouve à différents endroits de l'habitacle, au niveau du pommeau de levier de vitesse en balle de golf évidemment, et surtout sur ces très beaux baquets particulièrement confortables qui maintiennent extrêmement bien mais qui sont une option, il faut le savoir, à un peu plus de 1500 euros. Mais les plus gros changements ont bien sûr été opérés sous le capot. Le 4 cylindres est une version un peu dégonflée du moteur de la Golf R, il affiche ici 265 chevaux, soit 45 de plus que la GTI de base. Voire carrément 70 de plus lorsque l'overboost est enclenché pendant 10 secondes au maximum sur les 4 rapports de boîte les plus élevés. Voici donc sur ce tracé particulièrement exigeant du circuit de Pau-Arnos. Beaucoup de courbes, des verres, des courbes qui se referment, des épingles. Voilà de quoi se faire une idée très rapidement de cette GTI Club Sport. Et la première chose que l'on ressent à son volant ici, c'est sa grande facilité. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement agréable, c'est une voiture qui se mène très vite, assez vite. Le moteur monte allègrement dans les tours, il a vraiment très peu d'inertie, c'est très très agréable. La boîte est ultra rapide, on l'a ici en configuration boîte manuelle, elle existe également en DSG6. Gros frein, un excellent grip des semi-slick Michelin qui équipe cette version pack racing dont on apprécie aussi les excellents Recaro qui sont confortables mais néanmoins qui maintiennent de manière excellente. Ici, dans ce S, très serré, la démonstration, la direction très directe, moins de 2 tours de butée à butée, c'est très agréable. Et autre démonstration, c'est l'efficacité tout en douceur, de manière assez imperceptible, mais qui fait son boulot. L'efficacité du différentiel électromécanique, donc à gestion électronique. Contrairement à un Torsen qui renverrait lui plus de sensations au niveau du volant là, ça reste très transparent, croyez-moi, il fait du boulot, il y en a, notamment sur cette piste aujourd'hui, avec 36 degrés indiqués au compteur de la voiture, alors que le grip s'amenuise de tour en tour. Notre version d'essai est équipée de la suspension pilotée DCC avec plusieurs profils de conduite au choix. Son châssis est abaissé de 15 mm. Donc vraiment une impression de grande efficacité, de grande précision, de grande rigidité de cette voiture. Elle se place facilement, le SP laisse en mode sport une liberté appréciable. Mais bon, évidemment, on n'est pas non plus dans un type de voiture ultra joueur avec un caractère moteur débordant comme ça peut être le cas d'autres modèles. Ça, à bord d'une Volkswagen, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Au final, la GTI Club Sport nous laisse une impression de très grand équilibre. Elle prend sa sportivité au sérieux tout en conservant une excellente polyvalence. Mais à 37 400 euros, elle a fort à faire avec une concurrence plus radicale comme la Civic Type R ou moins chère dans sa propre famille comme la Leon Cupra.